Bonjour Aishotix, oui, non, non, pas du tout. Bonjour à toutes et à toutes, c'est Aishotix. On se retrouve pour un nouvel épisode. Pas mettre de viseur au début, j'aimais pas trop le viseur de base, mais au final, pourquoi pas ne pas mettre de viseur? On s'en sort. L'ennemi a pris C. Salut mec, je vais venir Alpha directement après. Ah, verrouillé. excuse-moi, j'ai pas vu ton message, j'étais pas mal concentré dans ma game. Merde. Putain, j'ai fait un vieux switch sans faire exprès, du coup je perds 3 kills quoi. Fais chier. Si ce n'est 4 là, je vois qu'il y a Kara Bravo, qui a fait un kill sécurisé. là, en plus. Bah écoute, oui, à la prochaine, je back et. Et je te. Bah, tu pourras me rejoindre. Je t'invite déjà. Bah, suis-moi déjà sur Contacté le un jeu. sauvage. Et puis. Et puis, t'auras simplement à. On va Ah, perdre B. merde. Et puis, t'auras simplement à me join à la fin de la partie. Seraph à terre. Ah, bouge! T'as pour le coup, si j'avais pillard. Reste 10 balles. On va perdre B. Y'a un mec là. L'ennemi possède B. Ah. Ah, je suis spotted, il y a le mec derrière. Smoothie shot. Salut à toi. Colis stratégique ennemi dans les airs. Ah, le level Mon 5 avec la ennemi cheva. approche. Attention, drone de brouillage est en service. Drone ennemi à l'approche. Oula. Hellstorm ennemi repéré. Bon bah voilà, Kara a fait le taf. Sécurisation de B. Ça j'arrive bien à faire des petits kills snipe là. Oh putain et ça a vite le. Oh le noscope qui est pas passé, je suis On déçu. va perdre B. L'ennemi a capturé B. Les heureux B. Bravo. Parfait. On va reculer, ça sert à rien de. Sert à rien de. Ça sert à rien de courir les chercher. Je crois que ça vaut le coup que j'achète Black Ops 3 sur PC. Et sur PC, non. Je trouve pas. Sécurisation de Call C. of Duty n'est pas une licence à jouer sur PC, je trouve. Drone À allié en part pour les approche. mods. On va perdre A. L'ennemi détient Alpha. C'est sécurisé. Drone allié en approche. À gauche, il y aura des mecs qui vont avant, qui vont arriver. Avance, mon ami. Ne t'enfuis pas. Pourquoi c'est pareil, non? Bah, c'est le même jeu, mais On va après, il perdre y a bravo. beaucoup, le niveau est beaucoup moins élevé, il y a beaucoup moins de gens. T'as potentiellement aucun ami qui l'a sur PC. L'ennemi a pris Tu vois ce bravo. que je veux dire? Sécurisation de B. Ah, j'ai le chargeur pour lui quoi.
son est dans décalage. T'es sûr? Est-ce que les gens vous trouvez qu'il y a du décalage? Regardez, je vais faire un petit test. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, droite, gauche. Il est en décalage le son ou pas? Merde. Oh, bien joué. Il avait quoi? Il avait la dernière arme, non? Ah non, c'est le plus. Putain, aujourd'hui, il me saoule déjà. Oh, bah écoute, moi ça se passe. Moi ça se passe, pas de décalage. Bon, bah écoute. S'il n'y a pas de décalage, ça doit être toi qui a peut-être un décalage. Comment, je ne sais pas, mais si on a un, en tout cas, fais un petit F5. Histoire de te remettre à jour. Ça se peut aussi qu'il y a potentiellement du décalage dû au fait que ta connexion a du mal à synchroniser le téléchargement du stream pour que tu le regardes. Donc bah écoute, fais un F5 et bah tu me redis ce qu'il en est. L'ennemi possède Alpha. C'est verrouillé. Tu relances la page. Non. Ah, je fais n'importe quoi. Bah écoute, voilà Kara. Tu m'en 3 là. Drone en approche. Oh, laisse-moi, Kara. Oh, il y avait un mec à gauche. Je sais pas ce qu'il faisait là. Drone ennemi repéré. On va perdre B. Attention, drone ennemi en approche. Sécurisation de B. Ah merde. Bravo, verrouillé. Ouais, la pharo elle est clairement super. Ouais. C'est quoi le camouflage? C'est le camouflage vieux de la vieille. C'est bon, j'ai réfléchi, merci. Y'a pas de soucis. Vieux de la vieille, c'est un camouflage que tu as quand t'as joué aux derniers opus de Black Ops 3. De Black Ops, de la série Black Ops. Normalement, il me semble que c'est comme ça que tu débloques. Non! Je pensais qu'il y avait un sniper. Je vais mettre des One Rafale, mais bon. Alpha sécurisé. Et boum! Level 44. Allez, plus que 11 levels avant de passer le prestige. HCXD allié en approche. Vas-y, monte ta tête, mon ami. Monte ta tête, t'es juste là. T'es juste là, monte ta tronche. Ah, mais c'est un allié, merde. Un peu débile, hein. Come on, come here, man. Ah, y'a une toile, c'est vrai. Petite avance.
Yo, Crocker. On sécurise Charlie. Cible touchée. Système d'armement interne. Oh putain, j'ai pas eu. Tu penses passer ça avant la. Oui, je pense que je passerai mon presseur avant la fin du 24h. Y'a peu, je sais pas. Normalement, je devrais y arriver, je pense. Eita. Oh là là. Ah, bah y'en a quand même un qui a survécu. Vas-y, c'est le moment, c'est le moment. Arrête le foudroiement, go. Oh non, ils ont foutu le camp. Non, j'en ai touché 5. Putain, merde. Ça fait chier. Oh, ça fait tellement chier. J'aurais pu avoir mes raps et tout. Mes raps. Encore une victoire pour l'accord. Retour à la base. Point positif. Issue optimale confirmée. Quand on se frotte au meilleur, faut assurer ou se coucher. Bien le Crocker sur la chaîne. Je vais juste réactualiser ça par contre. Ça fait du bien des games comme ça. C'est vrai, de temps en temps. Ah, j'ai débloqué une nouvelle armure. Grade 44. J'ai presque 2 de ratio dans ce mode. Je vais juste back, parce que je vais aux toilettes. Eh, il est propre celui-là. Mettons celui-là. Ouais, du coup, moi je reviens dans 2 minutes, histoire d'aller aux toilettes. Parce que là, niveau 6, j'ai silencieux, on est presque niveau 6, ok. Par contre, pour la HVK, je vais regarder la vidéo de Skyrose, il a fait une vidéo où on peut garder nos accessoires. Je vais juste voir la vidéo après ça. N'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez jouer avec moi. Du coup, vous allez simplement à me suivre sur le jeu et me follow, tout simplement. Et du coup je reviens dans 2-3 minutes. Je reviens.
Oui, de retour. Alors, rejoignez-moi, tout simplement. Alors, yo, Bubble Draw, vas-y, on peut go. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Je voulais vite faire regarder cette vidéo-là. De Skyrose, en gros, il dit comme quoi on peut garder nos accessoires Sur Black Ops 3, et cette fois-ci, je voulais vous parler un petit après avoir peu passé des prestiges les sur les machins là. armes. C'est parti! On va voir ça vite fait. Et me voici dans le menu de Black Ops 3, et j'ai découvert quelque chose qui pourrait vous intéresser. Si vous avez le jeu, vous allez voir. Alors, si vous ne le savez pas, sur les Ah ouais, armes merde, vous allez pas également, le on peut voir. passer les prestiges, comme sur le niveau 0. Avec les armes également, on peut passer les prestiges comme sur Black Ops 2. Et il y a un petit bug qui pourra vous rendre service, je suis sûr, effectivement. Regardez, alors ici j'ai mon arme avec ma classe. Et à savoir que quand on va vouloir passer le prestige sur une arme, on va perdre tous les accessoires. On revient au niveau 0. Et au fur et à mesure avec laquelle on joue et on gagne de l'expérience sur l'arme, on va débloquer des accessoires. Et on voit ici, j'ai tous mes accessoires. Et bien évidemment, c'est un petit peu contraignant à chaque fois qu'on va passer le prestige sur une arme de pouvoir de perdre ses accessoires. Alors vous allez dire, pourquoi passer le prestige sur une arme? C'est très simple. On voit ici sur le prestige d'armes. Premièrement, quand on va passer le premier prestige, on va pouvoir afficher notre marque de clan sur l'arme. Et deuxièmement, le plus intéressant, on va pouvoir
avoir le compteur d'élimination. Et voilà, ça c'est une grosse nouveauté sur Call of Duty. On va avoir le nombre de kills qu'on a réalisé avec l'arme affiché dessus. Donc je pense que ça peut être plutôt bien. Voilà, comme on a sur Counter-Strike, on a un kill counter. Voilà, et ben finalement ça vient sur Call of Duty Black Ops 3. Ça fait plaisir. Et donc je sais et je suis sûr que toutes les personnes qui utilisent une arme vraiment beaucoup de fois auront envie de montrer, de dire voilà, sur mon n'est pas si pour le moment. Voilà, je vais rien changer. Elle me convient très bien et je vais aller donc sur la première. Faites-en plusieurs. Regardez, ici je vais faire ma classe. Faites votre classe vraiment ou faites-en plusieurs comme vous voulez vraiment votre classe. Donc je vais garder celle-ci pour le moment. Voilà, je vais rien changer. Elle me convient très bien et je vais aller donc sur la première et je vais aller passer le prestige d'armes. Regardez, bam, on fait là mode prestige d'armes. Donc c'est bon, voilà, je suis niveau d'arme 1, donc j'ai mon deuxième prestige. Et regardez, donc j'ai perdu tous mes accessoires. Il y a plus Ah de... ouais, voilà. d'accord. Ça C'est c'est pour fait. garder Mais sur une seule bonne classe. nouvelle, pa, 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 là. Sur ma classe, j'ai toujours mes accessoires. Voilà, D'accord. donc je vais pouvoir l'utiliser en ligne. Je comprends le principe. Je comprends le principe, très bien. Ok, donc du coup. On va se faire ça. Putain, mais putain de problème d'Xbox là. Je suis le seul connard à avoir ce problème. Bon, multijoueur. Partie publique, classement. Bon, ça va être la Sheva après, donc comment on fait? Copier. La même que la une, donc là, du coup, qu'est-ce qu'on veut comme classe? Donc là, on a mis quoi? On a mis la poignée, le silencieux, le chargeur rapide et le canon long. Ah, on a débloqué pillard. Nice. On va enlever celui-là. On va juste faire ça. On va juste mettre le canon long ici. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre le pillard là. Ah, mais même pas en fait. Ah, mais même pas besoin en fait. Regardez, hop, on enlève. Oh putain. Là. Oui. Ok, on a même débloqué un nouveau Joker. Je sais pas c'est quoi. Bref, du coup on a pillard. Au niveau de la classe, qu'est-ce qu'on met encore? Fantôme, voilà, Jamie. Et ici on pourrait mettre quoi éventuellement? Masse tactique, ouais, c'est moins important. Ouais, gilet pare-balles. Autrement, on met même pas en fait gilet pare-balles. Je pense qu'il y a moyen. Oh mais putain, je me suis encore gouré. Y a même pas besoin. Regardez ce qu'on va faire, on va mettre le gun. Et là du coup on aura tout le truc complet. Parce que là on a débloqué quoi, rien du tout. Ok, on va se garder ça. Et du coup, il faut que j'aille sur la classe que je ne veux pas passer le truc. Asekelvi, bienvenue à toi sur la chaîne. Du coup, ce qu'il faut faire alors, c'est qu'il faut passer sur celui. On a dit quoi? On veut celui-là, donc on va passer le prestige sur celui-là. Comment on fait? Ah si, c'est là, un prestige. Ouais, c'est bon là. Voilà, et là du coup on garde la classe. Très bien. D'accord. Parfait, du coup on va se remettre la Sheva ici. On va quand même mettre le viseur réflexe pour tester. Donc là on a encore 6 points. On va se mettre la Sheva avec pillard parce qu'on a très souvent un manque de balles. Masse tactique, c'est bien que seulement que les SMG vraiment, quand on utilise beaucoup les SMG. Ouais, mais j'ai les pare-balles, voilà, au cas où. On va se mettre le. On va se mettre ça. Ok, on peut y aller. Très bien.
D'ailleurs, j'aimerais voir quel classement j'ai actuellement, du coup. On va jouer sur Exodus, très bien. Mais moi, j'aimerais juste voir mon classement actuel. Vite, 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 carrière. On est dans le top 7000. On avance gentiment. Following game settings change. Are you getting server like you now? Ah ouais, carrément. Ah, comme quoi si on relance le jeu, bah ils sont en train de modifier les param enfin les paramètres de serveur, comme il y a très souvent, si vous vous souvenez bien, sur Black Ops 2. Et en fait, là, ils font ça pour tellement de gens qu'au final, il y a de la queue. Il y a 83 000 personnes en attente pour faire ça. Et là, le mec en question, il doit attendre 7 minutes. C'est Charlie Intel. Donc du coup, faut pas relancer tout ça. Bon, on va essayer de se faire une bonne petite game. Positif, non? Sécuriser l'objectif. Allez, on est go. Sécurisation de A. L'ennemi possède Charlie. On va directement partir sur putain, les gars, oh. Alpha On va partir à droite, directement. Un mec à droite. Il est où le bonhomme? On va perdre B. Oh, ils sont deux, quoi. Bon, on a tenté, c'est pas passé. C'est pas grave. On a B, c'est le principal, les alliés ont bien joué pour le coup. On a la toupillard, enfin. Et vu qu'on a pillard fantôme plus silencieux. On va pouvoir contourner comme un petit porc. Lui là. Oh putain, même son pote il est là quoi. Ouais, n'importe quoi. Ils ont pas bougé de là, les deux connards. Bon, go là, bouge. On a perdu B. Ouais. Donc, ouais, la prochaine fois, si je repasse par là-bas, je vais vraiment y aller. Bien, bien comme il faut par derrière et non pas. Là. On sécurise, bravo. Je sais pas où il était le bonhomme. Ouais, il est passé là. Robs TV, sécurisé. salut à toi, comment ça va? Ah, ils ont enfin bougé, putain, et waouh, amazing. Mais je pense que je vais les retrouver pas très loin. D'accord. Bon, j'arrive pas à faire de série là, ça commence mal. Alors tout se passe bien, bah actuellement oui, flow, tout va bien. Drone allié en approche. Ah mais il aime bien ce putain de coin. Reviens là! On va perdre A. Petit enfoiré. Ah il a sauté. C'est pas lui ça. Ça c'était 100% le mec qui vient de là-bas. Donc oui, tout se passe bien, tout se passe pour le mieux actuellement. On n'a pas encore fait de nucléaire, donc c'est. Donc peut mieux faire actuellement, donc bon. Et sinon. Ah, j'aimerais bien prendre le point A, ça m'étonnerait que je l'ai. Yes! Je l'ai quand même eu. Mais ouais, toujours pas de nucléaire actuellement, après 10 heures de jeu. Oh, mais putain, mais qu'il aille se faire enculer, hein, franchement. Vas-y, c'est bon, j'arrête d'aller par là, parce que ce machin, il aime bien son putain de tonneau. Il m'a gavé. On va rester sur le flanc gauche. On va perdre C. Mal, j'ai le jeu RIP. Ah, il est là-bas. Merde. Pas fait gaffe. Non, faut qu'on garde le point B. On sécurise, bravo. On va perdre Charlie. Colis stratégique en approche. L'ennemi a pris Charlie.
Alors, dès qu'il a passé. Reviens là. D'accord, bon. Il a décidé autrement. Salut à toi, Zeko. Comment ça va, mec? L'allié prend le point B. Ouais, malheureusement, il en est mort. Il y a 20 autres mecs top là où j'étais à tout à l'heure. Ah, il y a encore son pote. Bon, l'autre machin, il a... Ils ont décidé de faire un move. Ils ont décidé de faire un move, ils ont fait une décale. Merde. Je me suis attendu à une chose que je devais pas m'attendre. Bon. Ouais, bah écoute, ça va super. Oh putain. Ah! Pourquoi il fait ça, quoi? J'ai pas le jeu RIP. Ah, d'accord. Tristesse. Bon, t'as un mec là-bas. Je te cover, mon ami. Merde, c'est pas suffisant. Bon, je suis en 11-11, j'arrive pas à décoller dans cette game, j'arrive pas à commencer une série et à la tenir. C'est pas grave. On va aller prendre le point C. On sécurise Charlie. C'est sécurisé. Et je vais les mettre. Putain, mais. Oh, mais quel enculé à me bloquer. Putain, il fait chier. Ça, c'est un truc qui m'insupporte. Que ce soit sur Counter-Strike ou. Bientôt sur la chaîne Rops. Que ce soit sur Counter-Strike ou sur n'importe quel jeu, ça m'insupporte quand je suis bloqué à un endroit. Ou du moins bloqué à cause d'un joueur. Peut-être le début d'une série. Ce qui pourrait être pas mal. Le kill. Il est parti. Oh. Putain, tout ça pour rien. Derrière moi. Eh oui, je savais pas où il était de base et. Je pensais que c'était un endroit où je pouvais me cacher. Bon. Cette map en fait elle est pas si mal que ça. C'est juste qu'il faut savoir la jouer en fait. Elle est un peu différente des autres. Le style est vraiment particulier de cette carte. Mais ouais, faut savoir la jouer. Ouais, écoute, moi ça va super hein. Moi ça va nickel. En plein dans le 24 heures. Tout se passe bien. Colis stratégique en approche. Sécurisation de B. B sécurisé. On va perdre A. Mais non, on va pas perdre A. On a en approche. Ah mais d'accord, il était dedans. Hellstorm en approche. Drone en attente d'ordre. Coordonnées de foudroiement reçues. Frappe imminente. Ah
dans le bâtiment. On va perdre A. On va prendre C du coup. Putain, je suis bien tombé hein, parce que le mec, je savais pas qu'il était là. Ouais, là j'étais en train de recharger. Ouais, je savais même pas qu'il y avait encore des mecs. Bon, on arrive à partir sur un petit 2 de ratio. Ah d'accord, on est glitch, très bien. Sur le côté donc on est plus là. Laisse son petit yé. T'es chaud. Ouais, il y avait un gars à droite. Il est bien ce Black Ops 3 Chocho. Oui, bah franchement, moi je trouve cool. Ouais, je le trouve cool. Après, il faut. Faut s'y habituer un peu plus que. Bah, c'est un peu comme Advanced Warfare en fait. Faut s'habituer un peu au gameplay qui est un peu différent. Faut s'habituer un petit peu au début et puis après ça va tout seul quoi, c'est un call of donc dès qu'on a un peu l'habitude ça va. Moi j'ai dû beaucoup baisser ma sensi au début, la sensi horizontale elle est beaucoup trop rapide. Du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis 1 de moins en termes de sensi horizontale. Donc là maintenant je suis en 5 horizontale et 6 en verticale, sachant que de base je jouais en 8 dans les call of en général. Et ouais j'ai start avec du 4 en horizontale et 5 en vertical. Et là j'augmentais un petit peu histoire d'avoir un peu plus de réactivité quoi, histoire que c'est un peu plus dynamique. Et là je viens de faire les 1000 kills avec mon perso et j'ai la carte de visite. C'est quand que tu commences ce mode histoire? Le mode histoire je compte le faire potentiellement dans une série, mais je compte pas le faire tout de suite parce que là il y a énormément de jeux qui vont sortir. Je pense que je ferai ça vers vers janvier je pense même. Parce que il y a trop de jeux là. Normalement, je devais déjà m'acheter Fallout 4, mais je l'ai pas encore acheté, sachant que je peux déjà l'avoir. Parce que tout simplement, bah il y a Black Ops 3, j'ai envie de jouer. En plus de ça, je dois. Bah il y a eu le 24 heures, donc au final, ça n'aide pas. Il y a eu le 24 heures, donc ça n'aide pas. Ouais bah je vais l'acheter lundi je pense le lundi ou ouais mardi peut-être. Je sais pas quand je vais l'acheter Fallout. Ah ouais mardi si j'ai le temps. Parce que lundi je sais même pas quand est-ce que je vais me coucher, je sais même pas quand est-ce que je vais me lever avec toutes ces histoires là. Mais mais ouais mardi je devrais y aller de mardi en fin de journée. Je devrais aller le chercher mardi, c'est le jour officiel et du coup le soir je devrais streamer du Fallout. Après il y a aussi Tomb Raider, il y a trop de jeux, franchement il y a trop de jeux cette fin d'année. Il y a vraiment trop de jeux, il y aura aussi la bêta de Destiny. Ouais, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Tu peux augmenter le son de ton micro s'il te plaît? Ouais je peux le faire. Je peux le faire, après je sais pas si... si c'est toi qui avais le son pas assez fort ou autre. Parce qu'on m'a pas fait la remarque de tout le long. Ouais. Domination. Partons un peu sur la Shiva. Ou bien, qu'est-ce qu'on en fait?
Partons un peu sur la Sheva, oui. Ozia, salut à toi, comment ça va? Ok, il y a des mecs à droite. Ça a sauté, il y en a un qui a sauté. Attends, comment on passe là, nous? Attends. Mais attends, y a quelqu'un d'autre là, c'est le problème. Il y a quelqu'un d'autre qui a sauté. Attends, mais c'est pas normal. Bienvenue à toi sur la chaîne, Ozia. Attends, parce que c'est la merde là. Ça me perturbe parce que j'ai entendu quelqu'un et ça m'étonnerait que ce soit lui. Enfin bon. Et à part ça, y a un double son de l'abonnement. Oh les gars, pourquoi vous venez à deux comme ça? Putain, s'il vous plaît. Attends, c'est sale ce qu'ils m'ont fait. Peut-être qu'ils... Ah, ils sont peut-être en équipe. J'avais vu des bonhommes qui étaient en équipe dans l'accueil. Par contre, toi, tu feras rien. Clairement. Cette carte je l'ai faite bah, une seule fois je crois, une ou deux fois, pas plus. J'ai l'impression qu'elle sort très rarement cette carte. On a pris le point B. Il faut qu'on continue à jouer avancé comme ça. Ouais, faut y avancer, avancer les gars. Ah ouais d'accord. Putain ils sont arrivés à 3 quoi. Y'a un mec juste là, couché probablement. Son cousin qui m'attend, putain, et qui me tue en plus. Ouais, y'a un petit prestigeant en face en 11-2, bon. Ça me fait pas peur, moi. À part qu'il a fait une nuit blanche, ça veut pas dire grand chose. D'ailleurs, je viens de le tuer. Ah là mon ami. Putain je l'ai pas eu. Ah là. La para qui fait mal quoi. C'est quoi ce spawn à droite là? Putain, je comprends pas pourquoi il y a toujours des mecs à droite. D'avoir un spawn, c'est obligé, mais. Faut que j'arrive à tous les tuer et à continuer à avancer. Ah, il y a un mec à gauche. Bon bah voilà, ils font les débiles. Hein. Ah, y'a un mec qui m'attend, je le. Ah. Attends, je vais rentrer dedans, j'ai l'impression qu'ils vont tous là-dedans, non? Séraph neutralisé. Bien joué ça, excellent. Ok, alors là. Ah non mais en fait c'est qui campe en fait, y'a absolument pas de spawn là. Ou bien. Ah si y'a un spawn là. En fait si y'a un spawn. N'empêche qu'ils viennent, ils viennent tête baissée hein. Ah fais chier, il me faut une tire rapide. Je peux pas tirer.
Il y a... Même si... Même avec une burn ou autre, c'est pas possible. Chiant cette histoire. C'est pas comme la Fall de Black Ops 2 qui est en illimité là. Il n'y a pas de... Il y a un troisième? Non? Oui? Non? Ah! Oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Ah bah c'était la fin. Merde. Toujours aussi pété la pharo, bah y a pas eu de patch hein, entre-temps, donc... Donc oui, toujours aussi puissante. Après la pharo, faut pas non plus l'utiliser sur toutes les cartes, comme si tu partais du principe qu'elle était pétée et du coup tu pouvais te permettre de la sortir partout. N'empêche qu'en face il arrive à bien tenir hein, le kit, le petit prestige 1 là. Mais ouais, après t'as aussi la bah, longue distance, celle que j'utilise hein, qui est pas mal du tout. Ah putain. Là, bon, j'en ai un peu marre. On va prendre la HVK. N'empêche que ce camo, en fait, il est pas si dégueu que ça sur l'arme. Ça lui va bien. Eh, hey, il est sympa le trophy. Petit. Bon, peut-être un peu plus gros, ça aurait été mieux. Putain, vas-y, dégage de là. Ah, j'ai pas pensé à prendre le point. Bon, bref. Repartons. Je pense avec la HVK ça devrait aller mieux au niveau de ma série, tout ça. En plus là j'ai fantôme, j'ai tout le bordel qu'il faut. Voilà, j'entends drone ennemi, je suis en train de me dire rien à secouer quoi. Ah, il y a un mec qui a sauté. Tué lui. Ok, lui il est mort. Faut toujours rester en mouvement par contre, sinon il se désactive le point B. L'atout fantôme. On va récupérer le point A vu qu'ils ont spawn à l'autre bout. Hop. Putain mais mec, comment oses-tu prendre une arme comme ça quoi? Laisse-moi récupérer une arme par terre s'il vous plaît. Ah. Je sais pas s'il a été tué. Oula. Ça a bugué. Oh, il m'a vu, pas moi. Ah, il a la. J'ai oublié le nom de cette arme. Batteuse qui tue en 2 balles. Mais en revanche, qui. Oh, c'est bidon ce que je viens de faire. Ah oh merde, à gauche. Ouais, je le tiens le prestige 1 là, mais bon. Drone en approche. HCXD ennemi dans votre secteur. Colis stratégique allié en approche. Au final, il faut récupérer le point. Ah, il m'a frappé. Ah. Faut absolument qu'on récupère le point, mais... C'est ce que les alliés ont fait, il y a le petit robot, c'est nickel. J'arrive pas à passer à gauche. Quand je regarde à droite, il y a un mec à gauche. Quand je regarde à gauche, il y a un mec à droite. Quand je vois personne, il y a quelqu'un qui me voit. Oh,
y a armement, mon pote, calme-toi. On va perdre C. Oh, faut go à direct alors. L'ennemi possède Charlie. Là, je l'ai vu parce que, bon, grâce à de la visée, sinon je l'aurais pas vu. On va perdre Bravo. Oui, lance lui, lance son bordel. Prestige machin, il est mort. Le prestige machin est mort encore. Périmètre établi à 10 000 pieds. Oh merde. Attention, drone ennemi en approche. Et à 50%. Cible abattue. On se tourne en rond jusqu'au moment où on se voit et je meurs quoi. Parce que moi je pensais qu'il était dans un bâtiment quand il a fait ça. Ah merde, dans l'église. Dans la mairie ou je sais pas où. Bon, merde, où est-ce que je vais? Ouais. Ah, ils ont mieux tenu là. Il y a un mec au top. Ouais, mais bon, le mec au top il a pas bougé de là depuis. Depuis des années quoi. Bon, ils ont gagné. Ils ont été meilleurs. Ah putain, pour une des rares fois, je suis celui qui a capturé un des moins. Dommage que j'ai pas fait de streak par contre. Avec des streaks, ça aurait été mille fois plus simple. Au minimum, extinction. C'est toujours plus prudent de savoir où on met les pieds. Du coup, le Recon, la Sheva silencieuse, je sais pas si ça vaut la peine de prendre une Sheva silencieuse. Putain, j'avais une moyenne de... j'ai une moyenne de 5 de ratio, quoi. Avec mes dernières games. Je suis à 96 de ratio global. Ça se tient. On peut mieux faire encore, mais ça se tient. 1,86 victoire défaite. On peut se tiguer dans Evac. Avec Evac, là, je prends clairement la Pharo. Alors, Chocho, tu peux. Ah, c'est déjà un moment ça. Tu peux hausser le son de ta vis ou de ta vie? J'ai pas compris. C'est leur faiblesse qui les fera tomber. Non, c'est pas ça que je veux. Pharo. Non, pas Pharo. Oui, Pharo. Ah bah, je l'ai pas. Hop. Bon, j'ai pas la Pharo pour le coup. Oh, 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 oh. Ah, Karak, il prend tous les kills, quoi. Salaud. Bon. On va prendre le point B.
Ok. Bravo, verrouillé. Drone en approche. On va perdre B. L'ennemi a capturé. Mais t'es sérieux de pas prendre ton coup de poing? Sécurisation de C. Enfoiré. Putain, et... Bon. C'est chiant ça. Qu'est-ce qu'il fout là? Putain, le truc qui se passe là, faut m'expliquer. Hein. La merde là. Bon, on a le point A, on a le point B. Colis stratégique à l'approche. Okay. Level 45. Ah merde, j'ai mis mon drone bêtement. On va perdre Bravo. Il y a un allié qui est en 13-0. Ok, les mecs sont tous repartis dedans. Alstorm en approche. Ouais, c'est bien ce qu'il faut croire. Je l'ai tué? Non, j'ai pas tué. Bravo, verrouillé. Drone en approche. Colis stratégique en approche. On va perdre A. L'ennemi a pris Alpha. Rapace allié dans votre secteur. On s'est fait. Charlie verrouillé. Alstorm. Putain, j'étais presque. Oh putain, j'ai presque défoncé tout le monde. Ah là. Ah, j'ai presque réussi à défoncer tout le monde. J'étais pas loin. On va perdre Charlie. Tous les lieux sont sécurisés. Oh non. Position. Mais bon. Merde. Je pensais que c'était mort. Pas du tout. Ouais, il est en 15-0, mais. Il fait un kill tous les 20 ans. Potentiellement qu'il joue trop safe. Ah. Nouvellement, je vous attends. Attention à la fatigue. Drone ennemi repéré. Solution de tir optimale atteinte. On va perdre C. Sans kill avec le Reaper. Il est où? Effectivement, il n'y a plus personne. Ok, 25-9, on s'est un peu rattrapé vers la fin. On est toujours en 15-0, hein. Le mec il a pas bougé. La
Petite shot. Plus que 10 grades avant le prestige. On avance gentiment. On va directement aller sur B pour le coup. Ah, j'ai même pas vu venir, clairement. Bon, elle va mettre là. On va juste décaler vers le C parce que j'ai pas envie qu'il récupère le spawn C. Oh putain, cette belle cover. Il est où le dernier? Non, la rafale, tu devais la prendre dans la tête. Putain. Ah, j'ai joué trop vite là. On va perdre Bravo. Bon, fait chier. L'ennemi a pris Charlie. C'est pas grave. Bravo. Rapace allié dans votre secteur. Drone allié en approche. On se rattrape gentiment. Roche au chaud. Fais un bac après. Yes. Ça marche. Et boum, non, il y avait le second là. Oh, il y a la rotation là. Merde. La rotation était faite, j'étais parti là. Oh, une bien bonne game. Ah, c'est bien là, joue bien là. Il m'a fallu 10 heures de stream pour bien jouer. 10 petites heures de stream là, 10 grosses heures même. Alors, salut, salut,
Quand je mets jouer en ligne, ça charge et après ça me met serveur Black Ops 2 n'est pas actuellement disponible au reste du temps. Relance ta console, relance ta box, essaye de faire des choses comme ça. Essaye de redémarrer tout ça, histoire de tester quoi. Pour voir si ça fonctionne mieux ou non. Nous on n'est pas le support de Call of, donc on peut pas te dire précisément c'est quoi le problème, donc on n'en sait rien du tout. Donc moi je te suggère ça, c'est des trucs de base, après peut-être que tu l'as fait, peut-être pas, donc non, je suis sur Xbox One effectivement. J'ai des tourelles blindées, enfin. Enfin enfin, je sais même pas si je vais les mettre, mais. Allez, rejoignez-moi les enfants. Je vous attends. Alors, faites 10 éliminations en utilisant le psychose. Faites 20 éliminations psychose. Disponible à revoir débloqué. Haute technologie et visage. Donc là, il faut que j'utilise psychose, erreur de problème Xbox Live. Voilà, très bien. Je me reconnecte et vous me rejoignez. Parce que bon, voilà. Multijoueur. Rejoignez-moi, vous pouvez dorénavant. Psycho, c'est quoi? Génère 3 clones qui serviront. Ah! Oh, mais c'est de la merde. Et si je veux faire plus, il faut vraiment que je fasse ça. Oh, et là, au niveau du corps, qu'est-ce que je débloque? Ah ouais, là c'est le faux, donc le truc que j'utilise et l'autre c'est le psychose. D'accord. Bon, bah on va d'abord faire le celui-là et ensuite on fera l'autre. Ça va être une maintenance, je pense que tu auras. À part ça, il y avait une maintenance qu'ils faisaient tout à l'heure, hein, donc c'est pas impossible que ce soit ça. Ils étaient en train de faire pas une maintenance, mais un changement au niveau de leur serveur, enfin paramètres de serveur. Donc voilà. Hop, hop. Parfait, ouais, join. On lance de la demi toujours. Rerti, salut, comment ça va? Bah salut à toi. Écoute, ça va super. On est sur quelle carte? Ça a déjà commencé d'ailleurs en plus. VHS. Je suis toujours avec eux. Et bienvenue à toi. Soldat Tu veux tué. quand même chouchou? Alors attends, déjà. Putain, parce que j'ai un putain de problème de d'écho à chaque fois qu'il y a un abonnement. Faut que je règle ça à la fin de la game. On va utiliser quoi la Sheva? Pourquoi on regardera plus tard? Parce qu'après, tu vois, alors là, c'est, je vais voir pour qu'est-ce que je vais manger, si on me fait à bouffer aujourd'hui ou pas. Ce serait bien. Vu que je peux absolument rien faire. Et puis, on verra après manger tout ça, parce que bon, on a le temps. Moi, je finis demain à 10h, mon stream. Ok, il est mort. Ah, derrière moi. Quoi? Parce que ouais, bref, ouais. Ouais. Bon bah, pas toton ce soir.
On a un petit drone. Il y a un mec là-bas. Ok, bien joué. Il y a un mec qui est outside, je crois. Non ? Ou bien, si, si, il y a un mec outside. Merci pour tout. Le drone quitte la... drone allié en approche. Est-ce que l'allié a potentiellement besoin d'aide, hein ? Petit peu, peut-être, non ? Oh putain. Il a besoin d'aide, il a besoin d'aide, hein ? Me suicide, moi. Ah, il m'a vu, il va décaler à gauche. Pas du tout. Il a décalé à gauche. Unité mobile blindée liquidée. Ok, l'allié est mort ici. Juste là. Ah. On va perdre Charlie. L'ennemi possède C. Ok. Bon, je suis en 9-2, mais j'ai pas fait grand chose là actuellement. Oh merde! L'ennemi a pris C. Eh oui, on récupère les points quand même. Alpha sécurisé. Sécuriser les objectifs. Drone en approche. Stratégique allié en approche. Cerberus allié en approche. On sécurise, bravo. Qu'est-ce que Cerberus? Drone en approche. Brouillage allié en approche. Drone allié en approche. Oh putain, le vieux combat dans l'eau quoi. Ah, c'est la petite. Attention, drone ennemi en approche. Attention, colis stratégique ennemi dans les airs. Drone de brouillage en approche. Drone allié en approche. Non, c'est chier. Sécurisation de C. Drone allié en approche. Tous les lieux sont sécurisés. Tenez vos positions. Drone de brouillage allié en approche. On va perdre Alpha. Fantôme allié dans votre secteur. Colis stratégique allié en approche. Drone de brouillage. Thank you.
Bon, on a la 3 cap, il se passe plus vraiment grand chose. Ah, j'ai mal joué. Ah, je l'attendais, en plus j'ai raté. À droite. Foudroiement allié en approche. Hellstorm en approche. La manche est presque finie. Continuez sur votre lancée. Sécurisation de C. Tous les lieux sont sécurisés. Ah, dommage. Ouais, il n'y a qu'un seul qui s'en sort en face. Voilà, moins de 10 secondes, c'est fini. 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Et c'est fini. À la hauteur. Mission réussie. Condition de victoire remplie. Une balle, une victime. Ça arrive sans prévenir. J'ai mangé, chaud, je reviens après. Bon app, ça marche à toutes, mec. Bon app. Moi, ouais, j'ai mangé, je mange un peu plus tard. Alors, gros calibre pour le level 7. Prête à engager les cibles. J'abuse. Allez, on va pas se prendre la Sheva maintenant, on va juste se prendre la HVK. Et on va essayer de faire un bon petit score là. Et je pense qu'il y a moyen. Il y a franchement moyen si on prend la 2 cap et puis on met un petit aéronef chez eux. Ça peut faire mal. Du coup, on va essayer de. Parce que la Sheva fait mal. Mais au corps à corps, c'est. Oula. Au corps à corps, elle a un gros manque. Outrider mort au combat. Allez, bouge, bouge, mon ami.
Ça déconne un peu, ça va revenir normal bientôt. On sécurise, bravo. Au fond, au fond. On va reculer tranquillement. Putain, je suis rouge, hein. Colis stratégique en approche. Bon, là c'est cover. Ouais, ils spawnent tous l'autre côté, c'est un peu chiant du coup. Cerberus allié en approche. Ok, un petit Cerberus. On va perdre, bravo. On a un petit drone. Ça va nous aider un petit peu à voir où ils sont. Parce que pour la plupart, ils n'ont pas encore de fantômes. C'est bon ça. Oh, la doublée. La petite doublette. Ok, il y a un mec dessous. Ah, les alliés tiltent pas quand il y a un mec dessous, hein. Moi je le vois tout de suite. Oh, encore. Moi je le vois tout de suite justement quand il est pas chez nous, il est chez eux. On discute pas quoi, il est directement dessous. Bon, je vais pas trop tenter maintenant vu que là il me reste 200 petits points avant d'avoir mes raps. Mes raps. Et je dis ça mais j'ai tellement envie de go. J'ai tellement envie de go. Là, il y a un mec qui est au-dessus. Bon, l'allié l'a tué. Ouais, l'autre il a jump en haut. Non, il y a un mec en bas. Ouh! It's so hot. Allez, 25 points. 25 points. Putain, ça rage quitte déjà quoi. Allez les gars. Fais-moi 25 points, merde. Hellstorm allié en approche. On sécurise Alpha. Je l'ai vu dans le bâtiment. Alors si le mec il a mis Hellstorm. Déjà. Donc c'est qu'il y avait quelqu'un, bon il y avait un gars top, donc potentiellement moi au début je pensais directement s'il a mis le Hellstorm ici sur moi, c'est qu'il y avait quelqu'un dessous potentiellement, mais en l'occurrence il y avait il y avait un mec dessus en fait, c'est ça le truc. C'est le fameux mec qu'on a vu. Je vais pas lancer mes raps maintenant, ça sert à rien parce que la manche va se terminer, donc à 100 elle se termine la manche. Ah. Un peu con, je meurs maintenant. C'est pas tout de suite que je vais faire ma nuque. Hein. J'y suis pas prêt, moi. Salut, comment on fait pour jouer en écran scindé sur Xbox One? Il n'y a pas d'écran scindé, si je me trompe pas, sur ce Call of. Ni Halo 5, ni Call of, je crois. Cette année, il y a d'écran scindé. Je crois qu'il n'y en a pas. Call of, je suis pas sûr. Mais Halo, je sais qu'il n'y en a pas. Parce que normalement, si tu te connectes à deux manettes sur ton compte multijoueur, ça va te demander d'appuyer sur X, je crois. Ou ouais, X sur Xbox pour. Ah, y'a un mec à gauche. Ouais. Ça devrait être écrit X et. Et à partir de là, tu peux normalement, bah. En appuyant sur X, ça connectera ta manette quoi. Allons, on se met les raps. It's time. On sécurise, bravo. Oh. Bravo, sécurisé. Hellstorm allié en approche. Pas du tout, c'était pas un mec.
Encore. Ah, il est au-dessus, Il est bel et bien un mec, on est d'accord. Tous les lieux sont sécurisés. Tenez vos positions. Convoyeur Raps en attente. Je sais pas si je le mets au milieu, qu'est-ce que ça fait. Négatif, trop d'appareils dans les airs. On va perdre Alpha. Trop de trafic aérien. Ah, il y a déjà un mec qui a mis des Raps. On va perdre Charlie. Enfoiré. On a perdu A. Ah, il me l'a mise. Ah mais c'est Switch l'enfoiré. Il fait une bonne game. Ah non c'est pas lui les Raps par contre. Bonne game mais c'est pas lui les Raps. Je vois c'est des trous en plein milieu du métro. Là il y a des trous. Là, des trous, ouais. Ouais, mais c'est pas ouf quoi. Faut vraiment le mettre sur un spawn particulier. Quoi. Allez, grade 46. Non, oh bâtard! Ah, il est dedans. Il va se faire tuer probablement. Bon, c'est l'heure d'y aller là. Yo Lucas! Ah, c'est un ennemi! Putain, GG! C'est quoi? Bon, d'accord, des abeilles qui me bouffent. Drone de brouillage en approche. Virage en cours, les capteurs verrouillent l'objectif. L'énergie du drone à 50%. Nah, il y a encore un mec. Ah ouais, les scores d'en face, ils sont Ah ouais, ils sont carrément fait défoncer quoi. Putain. Car quand je suis quoi de manette, nanana, joueur supplémentaire si vous voulez, nanana. Les objectifs sont sécurisés. Bien joué. By the way, je joue drone de bouillage tout le temps. Ah, c'est bien ça. Bientôt tu pourras jouer aux haters. Quand tu seras... Aïe, mon pied. Quand tu seras level 40 et quelques. Je sais plus c'est combien, tu pourras mettre en plus le haters. J'ai hâte de l'avoir aussi le haters moi. Level 46. Ah, j'ai la Razorback et j'ai le Firebreak. Bon, j'ai deux piles de ratio victoire-défaite en domination. J'ai 2-0-2 en général de ce truc-là. En général, élimination est mort. Et j'ai 421 de score par minute. Donc, on est plutôt pas mal. Ensuite,
Bienvenue à toi, BMX YOLO. Alors, Powers, je trouve, c'est large mieux de faire ce que tu as tout le temps. Ah! Ouais, tu dis ce que j'ai, quoi. Bah, écoute, Wars par Wars, au final, on comment dire? C'est Wars, oui et non, pour l'équipe. Oh putain, j'ai TDK, mais merde, putain. Tu l'as sur PS4? Non, j'ai sur Xbox One. Putain, j'étais déconnecté, quoi, ça casse les couilles. Ah, je peux plus vous rejoindre. Non, je voulais dire drone de brouillage. Ah oui. Bon, je peux pas te join, super. Ah, ça fait chier cette déco là. Bienvenue à toi, super fun game. Par contre, je vais juste refaire un truc. Je vais tester quelque chose. Parce que. Hop. Je vais l'enlever de là. Et au niveau des alertes. Oui, c'est ça, c'est les alertes. Là, enfin, un don simulé de 200 balles. Ah, mais merde, on le voit pas forcément. Je l'ai pas rajouté. Je suis débile. On va le reset. C. Ctrl V. Qu'est-ce que je voulais faire en plus de ça? On va faire un don de 100 balles maintenant. Pourquoi ça fait ça? Putain, il déconne le machin. Parce que je l'ai combien de fois le truc de Tipeee? Ah, mais je l'ai deux fois, c'est pour ça. Si on fait un don. Mais non, je l'ai deux fois. Pourquoi? On t'a fait un don de 200 €. Non, non, c'est du fake. C'est juste moi qui lance. Regarde, là je vais m'en faire un. Là j'en fais un de 25 €. Là j'en fais un de 50 €. Allez, fais pop. Là, il y aura un 50 € qui va arriver. Bref, c'est surtout pour entendre le son, en fait. Tu vois, le son, on entend deux fois. C'est ça, le truc. D'ailleurs, mais pourquoi, en fait? C'est ça que je comprends pas. C'est pourquoi... C'est chiant, ça. D'ailleurs, pourquoi ça fait deux fois? Vous entendez la doublure de l'abonnement ou pas? Est-ce que vous entendez la doublure ou pas? Ah mais merde, j'ai enlevé les deux. Oh putain. Ah mais je suis débile. C'est où que j'ai les donations encore? En ce moment, donne moins de dons. En ce moment, les donne moins de dons. J'ai pas compris. Par contre, ce qui est très chiant là. Ah, les serveurs sur PS4 sont en train de bugger. Les serveurs PS4 du jeu.
Ah, tu sais, moi, des dons, j'en ai pas. J'en ai pas non plus des milliers de cents, tu sais, j'en ai pas tout le temps des dons. Très loin. Par contre, la doublure est très chiante là. Normalement, c'est pas censé me faire une doublure comme ça. Attendez, juste renommer. Tipeee stream alerte. C'est quoi ton plus gros don? Non, attends. À rebours. Mon plus gros don que j'ai eu. Le plus gros don que j'ai eu, c'est. Ça a été un Avermedia Live Gamer HD. C'est le plus gros don que j'ai eu jusqu'à présent. Donc maintenant, il faut que j'ajoute les donations. Contrôle C. Parce que machin il bug, c'est assez particulier là. Le jeu est taché sur Old Gen. Ça m'étonne même pas hein, ce que tu me dis. Bon alors que ça marque encore anonyme 4, mais bon c'est pas grave. Déjà, on peut déjà mettre 100. Et après, au niveau de la largeur, c'est un truc plutôt comme ça. Et alors là, ça donne 300. Du coup, c'est 320 que je mettais, je crois. Très bien. Ok. Donc là c'est bon pour ça. Donc là c'est Tipeee stream don. Voilà. Ok, là on est bon. Mais du coup maintenant, si je fais un test de follow, ah bon, on est bon. Bon, j'ai pas fait grand-chose à vrai dire, mais on est bon. Alors, ce que je vais faire, les gens, c'est que moi, je vais vous laisser là-dessus pour la vidéo YouTube. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, parce qu'on arrive gentiment à la fin. Là, on est grade 46, donc encore 9 grades et on va passer enfin le prestige. Et puis sur ce, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Aishotix. Ciao!